et aujourd'hui I'm in Paris. Voilà, avec Octave qui est là et c'est son anniversaire aujourd'hui. Pendant 4 jours je suis à Paris, du coup je vous fais un petit vlog. Ça va être très sympathique, donc voilà, let's go to the video. Petite visite de Paris. Là je suis dans un petit vélo. On l'a fait tout à l'heure en trottinette. C'est très sympathique et c'est trop plus pratique et beaucoup moins cher que payer Uber pour aller d'un point A à un point B. Je suis passée dans une flaque d'eau, mes chaussures blanches, I'm going to cry. Mais du coup voilà, c'est hyper cool, j'adore. Situation est critique. J'ai perdu mon compte YouTube. De toute façon, si vous voyez cette vidéo et que vous voyez ce plan, c'est que j'en ai créé une autre. Forcément. Mais j'ai envie de pleurer. Parce que je suis trop bête. En gros, je vous explique. Votre copine, là, l'idiote du village, eh ben, elle s'est fait pirater parce qu'elle est trop naïve. Genre j'ai reçu un mail de YouTube qui me disait que si je donnais pas mes codes et tout et tout ce qu'il fallait pour se connecter à mon compte, j'allais me faire supprimer ma chaîne. Donc moi j'y ai cru, donc j'ai tout donné. Du coup bah, j'ai plus accès à ma chaîne. Autant vous dire que j'ai énormément le seum. En bombe. Voilà, on adore. Super, allez bisous, à demain. Deuxième jour à Paris, il fait hyper froid, c'est horrible, je suis en genre en jean et en pull parce qu'il fait vraiment froid, regardez mes lunettes, elles sont trop choues, j'aime trop. Mais voilà, du coup aujourd'hui on va à Astérix, ça va être cool, je sais pas si je prends la caméra parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc peut-être que je vous filmerai avec tout avec mon téléphone et voilà, let's go. Ryan Little. Tu vas courir même si elle vient de courir. Comment ça s'appelle? Tonnerre de Dieu, c'est ça? Et bref, j'ai cru que j'allais mourir parce que la descente elle était horrible. Mon cœur s'est soulevé. Aïe! Je viens d'acheter mes nouvelles chaussures.
voiture et là on va clairement être totalement trempé. I'm going to suicide me. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau là? Mec, je me mets comme ça, elle m'en bat les couilles. C'est pas grand pire ça, c'est sur les non. Côtés. Bah oui mais... Oh non, oh non, oh non. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Je mettrais la petite musique d'ascenseur genre que dans toutes les vidéos YouTube elles sont. Tu sais? Tu connais pas? Non. Oh mais bâtard! Il est fou lui! Because you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrow's in your brain. Thank you.
elle est pas ralentie. Ah, ça recommence là, non? Oui. Hello. Donc aujourd'hui on est mercredi. Vous avez déjà dû voir des plans de la journée et tout ce qui s'est passé. Là je suis à la rue. Je suis arrivée à l'hôtel qui est le collectionneur de Paris. Et je suis ici pour une nuit, du coup je repars demain. Voilà, il est trop beau. Je suis avec Pauline. Yeah. Voilà. Et du coup je vais vous montrer des petits plans et tout. Je vais vous montrer la chambre, elle est trop belle. Demain matin je vais aller au spa. Trop bien. Littéralement, j'ai l'impression d'être une princesse 5 étoiles toute seule dans ma chambre. Donc là, j'ai commandé un petit cheeseburger qui va arriver. Je peux chiller sur mon ordinateur, regarder ma série, peut-être commencer le vlog si j'ai la motivation. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, dernier jour à Paris. On est le jeudi 15, il est 9h bientôt je crois. Voilà, là je voulais aller, je vais aller à la salle de sport normalement. Mais j'ai eu la flemme, donc je ne suis pas allée. Peut-être que là je vais me chauffer mais je suis pas sûre. Le lit est super confortable. Donc j'avoue avoir envie de rester ici. De toute façon il faut que je bouge assez rapidement parce que... Ben je pars, mon train est à 15h15, gare de Lyon, donc il faut que j'y sois genre à 14h45. Gare de Lyon, après une journée de matinée photo, ben là je retourne à Montpellier, enfin aujourd'hui, je suis un peu triste, mais c'est la vie, j'ai hâte de retrouver quand même mes chevaux, et ma maison, et ma maman, et ma piscine.